Bonjour à toutes et à tous. Soyez la bienvenue, chères auditrices, chers auditeurs, dans votre chaîne de culture arabe et traduction. Marhaban bikoum, jami'an. Aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre des épisodes des vues sur la traduction, on va voir l'épisode numéro 3. Il concerne le cours qui va être élaboré pour la semaine du 18-9-2023. Il s'agit d'une version, la deuxième version de la première unité. Le support en question, c'est la langue arabe, la Rolls et la Volkswagen, Edward Wadi Saïd. Premièrement, un bref aperçu du texte. Voilà le support. Déjà, son titre il est spectaculaire, la langue arabe, la Rolls et la Volkswagen. Ce titre-là comporte une métaphore. Cette métaphore représente la langue arabe classique, l'oral arabia par la Rolls. La Rolls, c'est une marque de voiture de luxe. C'est une marque prestigieuse. Et la Volkswagen, elle représente les dialectes. Et bien sûr, la Volkswagen, vous la connaissez, c'est une marque de voiture, c'est une voiture qui est robuste, très robuste. Eh bien, il est utilisé dans tous les domaines et pour tous les voyages. C'est-à-dire, nous, nous نتعامل مع اللغة العربية كما يتعامل من اشترى هذه السيارة الفخمة الفاخرة لارولز. يعني يضعها في المرآب، دونك il la laisse coincée dans le garage, mais il l'utilise seulement dans des cérémonies qui sont particulières, etc. Mais en même temps, il l'utilise dans la vie quotidienne, nous utilisons les dialectes. إذن هذا ما يقع لنا مع اللغة العربية واللهجات. هذا هو النص. نمر الآن إلى الهدف. طبعا نسيت أن أقول لكم على أن في النص هناك كلمات il y a des expressions qui sont encadrées. Ce sont des liens logiques consécutifs. On va voir comment on va les rendre en arabe. Voilà, donc commençons par les exemples. On prend premièrement une phrase qui est extraite du support. De tous les dialectes, en tout cas, seul l'Égyptien a connu une telle diffusion. Ainsi, j'aurai toutes les peines du monde à comprendre un Algérien. Si grande est la différence entre les dialectes du Mashriq et ceux du Maghreb. Ainsi exprime la conséquence. Mais regardez, en effet, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est un lien logique implicite. هو رابط منطقي غير ضمني في اللغة الفرنسية، لكن في اللغة العربية ليس هناك من رابط منطقي ضمني، فكل روابط منطقية في اللغة العربية ينبغي أن تظهر. هذه مسألة نشير إليها فقط. La deuxième phrase. Adonis et Mahmoud Darwish, chacun d'eux atteint dans ses odes des hauteurs rhapsodiques si élevées qu'il entraîne d'énormes auditoires dans des frénésies de ravissement enthousiaste. Tout d'abord, c'est quoi le connecteur logique? C'est tout simplement le connecteur logique consécutif est un lien, il y a un connecteur qui exprime la conséquence, l'istitba. Il est rendu en arabe par des expressions spécifiques exprimant la conséquence, telles que wa alayhi taba'an li dhalik ila ghayri dhalik min ta'abir. Mais il existe certains connecteurs consécutifs
qui sont appelés corrélatifs, comme si que et tellement que. Ils sont appelés de sorte parce que ils comportent deux éléments qui sont soudés, qui sont corrélés, qui sont liés, si que, tellement que. Voir la deuxième phrase. Ces derniers sont généralement rendus en arabe par une structure élégante. من زائد المصدر زائد بحيث. وهذا ما سنراه في التطبيق الذي أمر إليه الآن. La phrase, la première phrase, ترجمتها فالمصرية اقتراح ترجمتها فالمصرية وحدها من بين كل اللهجات هي التي عرفت على وجه الإجمال انتشارا كبيرا وملحوظا وعليه قد أواجه صعوبات جمة كي أتواصل مع جزائري فالاختلاف شاسع بين لهجات المشرق ولهجات المغرب. لاحظوا هذا الفاء، هذه الفاء هي التي تحدثت عنها، فهذه الفاء هي رابط منطقي، هو الذي كان في اللغة الفرنسية ضمنيا وليس ظاهرا، ولكن لا بد أن يظهر في اللغة العربية. هذا طبعا سنخصص له حصة خاصة في هذه السلسلة من الإطلالات. الجملة الثانية: لقد أدرك كل من أدونيس ومحمود درويش في قصائدهما الغنائية مستويات موسيقيات. مستويات موسيقية من الروعة بحيث تجعل عددا هائلا من المستمعين يهيم في نوبات من الافتتان والنشوة العارمة. نعم، مستويات موسيقية، مستويات موسيقية ينبغي أن تكون منصوبة، لأن مستويات جمع مؤنث سالم، لذلك ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة. نعم، إذن بهذا ننهي هذه الحلقة. دونك ميرسي pour votre attention et à la vidéo suivante. Inch'Allah, tabqaou ala khir et à bientôt.